Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien, je remercie tout le monde d'être extrêmement patient pour aujourd'hui, mais vous savez ce que c'est, hein, les échecs, ça demande beaucoup de préparation, c'est beaucoup de préparation mentale, et c'est exactement ce qui me manquait aujourd'hui. Je suis Franck Payen, je suis avec vous pour une heure et demie. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous... Quelqu'un a mis le son derrière, et c'est pas moi. Je remercie tout le monde d'être... Qui est en train de vérifier? Voilà. Est-ce que c'est mieux là? Ouais. Hein. Oui. Ouais, Excusez-moi. Non, mais c'est rien. C'est l'enthousiasme du début. Et je me disais que c'était pas moi et je comprenais pas d'où ça venait. J'avais un peu peur. C'était chez moi. Ben ouais, ben ouais. Mais c'est pas grave. T'inquiète. Donc aujourd'hui, je suis accompagné à ma gauche. Droite de l'écran, de monsieur Benjamin Sébriant dans la catégorie des moins de 100 kilos. Et à ma gauche, à la gauche de l'écran de monsieur Sébastien Casino. Bonjour Benjamin, bonjour Sébastien. Hello. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots l'un puis l'autre? Ben, c'était pas prévu. Vas-y. Non, c'était pas que vous vous présentiez? Alors, ouais. Bah si, mais si, quand même un peu. Je suis Benjamin Sébriant. Et je connais Franck depuis très bien longtemps. Nous travaillons ensemble dans une entreprise japonaise à Boulogne-Billancourt. Putain, tu vas loin. Des films avec Sébastien Casino. Ça, à la gauche de Franck Payen, à la droite de Franck Payen. Tu m'as renié pour partir avec Sébastien. C'est ça qu'on est en train de raconter comme histoire. Exactement. Ouais, ouais. Je vois bien. Ben moi, je suis Seb Casino. Ben, je connais Franck par l'intermédiaire de Ben. Je ne le connaissais pas avant et apparemment, ils ont travaillé ensemble dans une boîte japonaise avant. Comme tu vends bien le truc. Et maintenant, je fais des films avec Ben Sébriant. Voilà. Bien, ça c'est une bonne chose. Donc, bonjour à l'un, à l'autre, bonjour à tous les deux. Bonjour à tous les gens qui sont avec nous dans le chat, alors du côté YouTube et du côté Beyond, parce que je sais que vous êtes quelques-uns des deux côtés. Bonjour du côté YouTube à Crico, Delphine, Grégoire, Ariel, Yann, et c'est déjà pas mal. Oh là là, je pense que le lion a parlé trop et le bot lui a demandé de moins parler. Pour tous les gens qui sont avec nous du côté YouTube, rassurez-vous, je vais vous mettre un petit lien pour participer à la conversation et nous rejoindre directement sur Behance, parce que sur Behance, il y a plutôt ce petit lien-là. Et pour tous les gens qui sont du côté Behance, ben bonjour à Tikenio, Kai, Emmanuel, Gérald, Marie-Agnès, Tariq, Delphine, Christophe, j'essaye d'avoir tout le monde, hein, c'est pas simple, et Denis, bonjour, bonjour aux uns et aux autres. Aujourd'hui... Salut. Voilà, il y a du monde, c'est bien. Aujourd'hui, je voulais recevoir donc Benjamin et Sébastien pour un petit sujet qui me plaît bien, qui leur plaît bien, puisqu'il va s'agir de la réalisation du moyen métrage du documentaire qui s'appelle Mental Combat que vous avez réalisé de quand à quand d'ailleurs. Ça a commencé quand cette histoire? Ça a commencé en quoi, 2019. On a commencé à tourner en avril 2019. Ouais. Un peu au hasard, il me semble. Et qui est sur les, qui est enfin arrivé. Pour nous, a commencé à ce moment-là, quoi. D'accord. Gérald nous dit qu'il y a une grosse différence de volume entre les différents convives. Je ne sais pas si on va réussir à faire ça bien parce que de Zoom, je ne peux pas régler le volume des uns et des autres indépendamment. Exprimez-vous, voilà, Ben d'abord. Il faut dire lequel, et puis comme ça on parle fort. Ouais, Ben, vas-y, c'est bien. Et Sébastien? Ouais. Un, deux. Ouais, bon, on devrait être à peu près cohérent, là, en termes de son. Ok. On les entend moyen par rapport à moi. Bah, je vais me rebaisser encore un petit peu et je vais les remonter un petit peu. Comme ça, vous les entendrez mieux par rapport à moi. Et normalement, ça devrait aller un petit peu mieux. Mais je peux difficilement faire mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Il y a Kai dans le chat. Voyez sympa avec Franck, s'il vous plaît. Hein, aujourd'hui, quand ça veut pas, ça veut pas. Il y a Kai dans le chat qui dit Ben, t'as changé. Pour répondre à ta question, en fait, on a un pote qui s'appelle Guillaume Salançon. Ouais. Qui est un organisateur de concerts à la base, qui organise des concerts depuis plus d'une vingtaine d'années, et notamment un festival qui a lieu chaque année à Sète qui s'appelle le Worldwide Festival.
Oui. Et donc Guillaume, c'est un pote qui s'est mis en tête de créer des combats de chess boxing parce que son cousin Thomas Cazeneuve était et toujours d'ailleurs est pratiquant de chess boxing, un des pionniers français, un des premiers à avoir fait du chess boxing parce qu'il a vécu à Berlin à l'époque où le chess boxing s'est lancé. OK. Et donc, son petit cousin est parti au championnat du monde en 2017 à Calcutta et a ramené la médaille d'or en catégorie moins de 65 kilos, il me semble. Et donc, à son retour, il en a parlé à Guillaume et Guillaume est devenu complètement ouf de ce sport et a voulu organiser des combats. Et donc, nous, il nous en a parlé parce qu'on avait déjà réalisé à plusieurs reprises des films avec Guillaume. Et donc, on l'a suivi un jour de printemps à Montbéliard. D'ailleurs, on embrasse Kamel, Anto, Jamel, Jim, la team de Mombé. Et donc, on les a rencontrés au printemps 2019 pour une démo de chess boxing dans le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard. Voilà, ça D'accord. part de là, en fait. Et alors, il me semble que j'ai pas encore posé la question, mais le chess boxing, c'est quoi? Ou alors peut-être que je vais être plus malin que ça. Avant de vous demander le chess boxing, c'est quoi, je vais peut-être juste passer la bande-annonce du film, du documentaire Mental Combat, ce Par qui exemple. nous permet pas, ouais, ce sera pas mal, tu vois, ça nous permettra de voir un petit peu de quoi il retourne et de s'occuper que de ça pour l'instant. Tac. Petite bande-annonce, où es-tu? Fenêtre 1, non. Tac. Ouais, non. C'est parce que tu vois, ça, quand tu dis go, c'est genre, on est à la télé, ça marche, il y a 12 mecs qui sont en train de faire ça et tout. Mais pas du tout. Pas du tout, on n'est pas à la télé. Hop, chess En fait, boxing, il y a canal. un bouton triangle. Ouais. Ah, le bouton play. Tu veux dire peut-être celui-là. Tac. Le chess boxing, c'est un Merci. sport nouveau. Un mélange de Et du boxe coup, et comme d'échecs. ça, on aura le son de la Enchaîner bande-annonce, les ces gens deux l'entendent mieux. disciplines demande une force mentale hors du commun. Une aventure humaine extraordinaire. Un sport qui représente le summum de l'humain dans l'intelligence, dans la beauté, dans la force, dans l'élégance. Suivez les pionniers du chess boxing en France. Des prémices d'une fédération jusqu'au championnat du monde. Aller défendre la France au championnat du monde en Turquie avec cette bande-là qui sont mes frères maintenant, ça me procure une fierté incommensurable. Mental Combat, la naissance d'un sport, une création documentaire Canal. Samedi à 23h30 sur Canal+. Eh bien voilà. C'était donc la bande-annonce de Mental Combat, le documentaire, le film. Est-ce que vous nous en dites un peu plus, s'il vous plaît, messieurs? Bah à la base, le chess boxing, ça sort d'une BD de Anki Bilal, qui cherchait un sport pour illustrer le sport de l'être humain suprême, c'est-à-dire qui regroupait les performances du corps et de l'esprit. Et du coup, je le cite, quoi. La boxe, ça illustrait. Le sport suprême en termes de physique et les échecs en termes de cerveau. Donc, du coup, ça part de ça. Et des années plus tard, il y a un artiste contemporain allemand du nom de Hippe Rubing qui a utilisé ce concept pour en faire une performance. Et où il s'est mis en scène avec un ami à lui. Il a fait un combat selon les planches en fait, de Anki Bilal, quoi. C'est-à-dire. Qui montrait uniquement l'alternance des deux sports. Et à la suite de ça, il s'est dit que en fait, ça pouvait fonctionner sous forme de sport. Et il en a créé réellement des règles et une fédération mondiale. Et puis c'est parti de ça, quoi. Voilà. Ouais, et d'ailleurs, notamment, faut quand même appuyer le génie de Hippe Rubing qui est décédé, malheureusement, qui est décédé pendant le Covid, au début du Covid en 2020, qui est un artiste contemporain qui a fait des trucs de malade et assez marrant et assez visuel, assez créatif, notamment Painting Realities. Donc ça, on le montre un petit peu, mais on le survole clairement dans le documentaire parce qu'on n'avait pas un temps illimité. Mais en gros, allez voir ses performances. Il avait bloqué des carrefours
les plus gros carrefours de Tokyo. Enfin voilà, c'était vraiment un trublion. Et lui, il considérait l'art, il faisait partie du mouvement Living Social Sculpture. Et en gros, il considérait que l'art contemporain, enfin, pour lui, ce qui était intéressant, c'est de créer de l'art avec les gens plutôt que de créer des peintures ou des concepts. Voilà, il voulait impliquer les gens, le commun des gens dans ses œuvres. Voilà. À leur insu, quoi. Voilà, sans qu'ils le sachent, exactement. Donc ouais, voilà, l'artiste qui est parti trop tôt et qui a créé ce sport qui est fabuleux. Merci pour le petit détail. Et du coup, d'ailleurs, le sport en question, il n'y est pas venu complètement par hasard. Si je dis pas de bêtises, les échecs, ça lui parle tellement qu'on a pu le voir au générique du jeu de la dame. Alors oui, il a été, je sais pas comment on peut dire ça, conseiller, en tout cas, il était conseiller échecs sur la série, ouais, sur The Queen Gambit. Il a participé voilà, à tout ce qui était enfin, l'expertise, voilà, il était expert S échecs sur la série, ouais, effectivement. D'où il a été cité, et c'est pour ça qu'il a été honoré à la fin du générique de The Queen Gambit. Voilà. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur vous deux et je me demandais quel extrait de film je passerai par la suite parce que j'ai un paquet de trucs. On a parlé, t'as cité tout à l'heure le Worldwide Festival, t'as parlé de l'agence Teaser. Est-ce qu'on a parlé de It's You? Pas encore. Qu'est-ce que je mets comme petite image derrière pour donner envie aux gens et pour vous faire découvrir un peu? Tu veux dire pour avant de lancer Là, It's You? on... Ouais. Ah, avant de lancer It's You, ouais. It's You, c'est un film qu'on a fait dans le cadre du Worldwide Festival, donc qui est un festival qui est dirigé par Guillaume Salençon. Et chaque année, enfin, on va dire en 2017, 2018 et 2019, on a fait un film. Et chaque fois, on essayait de trouver des moyens d'écrire un film qui mettait en scène, en fait, plutôt les festivaliers que les artistes, parce qu'on voulait pas. On ne voulait pas faire un after movie, on va dire classique d'un festival. On voulait plutôt mettre en scène les festivaliers. Donc, It's You, c'est un film où on a écrit une histoire et le concept, c'est que les festivaliers jouent dedans. Comment expliquer? On essayait de trouver un moyen pour faire participer le plus de gens possible. Donc du coup, on a écrit une histoire et les personnages de notre histoire sont uniquement représentés par leur habillage, en fait. Donc il y a des habillages très simples, un personnage, un habillage, et chaque plan, c'est un festivalier qui incarne le personnage par son habillage, en fait, et qui a une tirade à dire. Voilà. Donc c'est un film qui frôle avec l'expérimental, on va dire, mais ça se tient au final. Ça a été un gros travail de tournage, un gros travail de montage, mais on est arrivé à quelque chose auquel on voulait arriver, quoi. En tout cas, de faire un film avec une histoire compréhensible, mais avec toutes les complexités que l'idée demandait, quoi. C'est-à-dire de faire participer 300 personnes. Voilà. Cool. It's You, on peut le retrouver où sur ton Vimeo, sur Vimeo du World Wide Fest peut-être? Ouais, sur le Ouais. site du Worldwide. Ouais, vous pouvez, il y a un onglet film et on peut voir tous les films. Enfin, bon, il y en a deux. Mais non, non. Et puis pour rebondir, voilà, c'était assez marrant à faire surtout et à monter. En fait, on avait une trame narrative sur l'histoire et puis après, de toute façon, il se passait ce qui se passait. On avait très peu de temps pour shooter. On avait construit deux plateaux, deux décors. Un sur la plage, là, les images qu'on voit, c'était un décor qui était sur la plage où on avait acheté des tapisseries. Voilà, on avait fait un plateau sur la plage et un plateau au Théâtre de la Mer, qui est un lieu où il y a des concerts la nuit pendant le festival. Et donc, en gros, ouais, l'idée c'était d'incarner. En fait, voilà, c'était vu qu'aujourd'hui tout le monde zappe tout le temps, on voit des visages tout le temps différents, qu'on ce soit sur les réseaux sociaux, etc. C'était un peu une petite critique gentille. Un petit clin d'œil à nos habitudes de consommation d'images aujourd'hui aussi. On disait, et si on incarnait un personnage par des centaines de comédiens, en fait. Voilà. C'est un peu ça l'idée.
Et du coup, c'était aussi d'impliquer les festivaliers dans le festival d'impliquer les personnes dans le festival. Et en fait, ce film a été sélectionné au Festival d'Istanbul, Festival de films expérimental, voilà, dans la Cool. catégorie court-métrage. Donc, ouais, il y a un côté très expérimental quand même. Il y a Pierre-Étienne dans le chat qui note que le jeu de cartes en tuba, c'est encore des sports mixtes. C'est une vraie blague, ouais. C'est une vraie blague qu'on à laquelle on est souvent pas confronté parce que c'est toujours rigolo, mais en tout cas, c'est vrai que quand on parle de chess boxing, ça attise la créativité chez les gens en fait. Ils essaient d'inventer leur sport, leur sport Carrément. combiné. Et alors du coup le film qu'on est enfin l'extrait qu'on est en train de regarder, j'ai mis très très vaguement une ambiance du truc, mais on est très loin en termes de son. Si Alors le son, vous c'est Baptiste Brunello qui a composé ouais la BO de ce court-métrage. Voilà, on le salue si si on Baptiste, si tu es avec regarde. nous, exactement. On est un peu chez Michel. Si jamais d'ailleurs vous voulez retrouver ça, donc vous avez le lien que je vous ai mis, vous pourrez réécouter, vous pourrez redécouvrir ça. Et est-ce que ce film c'est votre premier ensemble? Est-ce que vous aviez déjà fait d'autres réalisations ensemble? Non, ce n'est pas le premier. Ça a été le deuxième film qu'on a fait pour le Worldwide Festival. Et avant ça, on avait fait, il me semble, Des quelques clips? films pour des clips et des films pour Pour des l'agence pubs Teaser, pour ouais, l'agence tu peux Teaser. peut-être montrer je crois que le premier film qu'on a fait, Ouais, c'était c'est pour l'agence Teaser, là, sur le le clapet, terrain de basket. le stick. Ouais. Allez, c'est parti. Et celui-là, je vais vous mettre du son parce que je le trouvais très drôle. Mais pas trop de son quand même. Parce que vous êtes un peu lâché sur le volume sonore. Donc l'agence Teaser, c'est quoi? C'est une agence de pub de Montpellier? Tout à fait, qui est dirigé par Grégoire Long, qu'on salue d'ailleurs, hein, je vais saluer beaucoup de monde, hein. Je fais comme Non mais Paul tu profites, t'es à la télé. Duché, je sais pas si vous connaissez Paul Duché, mais vous allez connaître certainement. Et donc ouais, Greg, il a une agence qui s'appelle Teaser, dans laquelle il y a Yann, David, et donc voilà, pour laquelle on collabore beaucoup avec l'agence Teaser. Ouais, vous collaborez et ça colle. Bravo. Voilà, alors là, on voit du trucage haut de gamme, hein. Made by Seb Casino. Il n'était pas si simple à faire, hein, celui-là, quand Non, même. Bah mais ouais, bon. parce qu'il faut que ça tienne. À coup de fil de pêche, quoi. Ouais. Écoute, ça marche très bien, franchement. Ça fonctionne. C'est parfait. C'est parfait, parfait. Ça, Merci c'était pour le le premier film qu'on a fait ensemble. Cool. Donc ça, c'était votre premier film ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu veux que je montre? Il y a Favorite Horses, Clapas. La pub de Clapas. Ouais, la pub de Clapas, elle est bien. Ouais, Je l'ai ok. regardée parce que j'avoue, j'ai tout regardé tout à l'heure. J'aime beaucoup la musique de la pub de Clapas. Donc ça va être notre petite suite pour... Ah, ça, c'était. C'est toi, la musique? C'est Non, 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 Handmade. ouais, ça, on l'a fait nous. Hein. Je remets la petite musique en fond parce que si on n'a pas la musique, ça manque quand même. Et là, c'est quoi? C'est que des lieux iconiques de Montpellier? Ouais. C'est ça. Parce que je suis nul en Montpellier, hein, je connais que la gare. On n'a pas pu l'éteindre à la gare. N'êtes pas réussi. Vous n'êtes pas arrivé au bon moment. Ben non, là, la musique, en fait, on est allé acheter un petit moulin à musique, là. Tu vois? Ah oui, c'était ça, ouais. Et donc, avec le moulin à musique, on a fait des notes et on a essayé de faire des fausses notes. Et ça a presque marché. Ça marche plutôt pas mal, moi je trouvais ça très très mignon. Il y a Tikenio qui nous demande si c'est encore des images du confinement. Non, du C'était tout. avant.
Ouais, bien avant, ouais. Bien avant le confinement. C'était avant, ouais. Mais bon, vu que maintenant on connaît un peu Enki Bilal, peut-être qu'on ce qu'on va faire, ça. Nostradamus, quoi. Ah bah attends, il va falloir aller beaucoup plus loin encore. Beaucoup, beaucoup plus loin. Ok, moi ça me va bien tout ça. Un petit dernier et on se reparle un peu du tournage de Mortal Kombat. Grave. Carrément. Vas-y, plutôt le World Wide Fest Frisbee ou plutôt les Favorite Horses? Ah, pas facile. Ben, mais les Favorite Horses, ouais, c'était un clip qu'on a fait pour un groupe de Montpellier. Ouais. Voilà, donc ça c'était un clip, un des premiers, enfin ouais, un clip un peu écrit quoi, avec une petite narration. Après, je sais que quand on fait des clips, on n'a pas forcément de tendance à se dire qu'on filme le groupe en train de jouer. Voilà, on essaie toujours de voilà, d'écrire une petite histoire, quoi. Voilà. De raconter quelque chose au-delà du contenu, quoi. Ouais, au-delà de Ouais. gars qui sautent avec leur guitare et enfin, quand on parle de rock, hein, ou quand on parle de rap, les gars qui rappent Ouais. devant la caméra, quoi. C'était une manière d'apporter une narration supplémentaire en prenant soin. En rapport avec Ouais. la musique aussi, En rapport avec avec les les paroles. paroles. Ouais. C'est très mignon. Très mignon, très bonne ambiance. Je vous mets pas la fin, je vous le gâche pas. Alors là, il y a Seb qui skate. Non, mais pas à la fin, parce qu'il y a il y a une révélation à la fin, donc peut-être les gens, ils iront la voir. J'espère bien. Tenez, je nous remets comme ça. Comme ça, vous verrez pas Seb qui skate. Ouais, bah c'était pas des grosses performances de skate, hein. C'était à l'époque où t'avais deux jambes. C'est ça. En plus. Exactement. Alors du coup, qu'est-ce que ça raconte dans le chat? Je vérifie parce qu'il se passe plein de trucs. Il y a Ariel tout à l'heure qui disait yay, teaser. Yann qui nous Aïe, dit Ariel, énorme salut la Ariel. pub pour Clapas. Et tatata, ouais non, j'ai baissé le son. Hein. Normalement, j'ai baissé le son suffisamment et suffisamment tôt. Il y a les fans de teaser qui sont réveillés. Hein. Tout le monde était content. Il y a Ah. Popeye et Enzo qui étaient là. Yann Varenne, pareil. Tac. Mr. Why. Mr. Why, c'est la voix off dans It's You. D'accord. Hein. Ah bah tu vois. Très grand comédien, qui a une. Je pense qu'on va entendre parler de lui dans pas longtemps. T'as encore, c'est quoi? C'est parce que vous avez des plans films en cours ou c'est parce que tu lui souhaites tout le bonheur du monde? Ouais, parce qu'il sait que ça va être une star. Il le sait au fond de lui. Bien, ça c'est une bonne chose. Je te fais rentrer dans Première pour que tu nous parles un tout petit peu plus de ce Mortal Kombat, que tu nous racontes un petit peu plus comment vous avez fabriqué ça et comment vous avez mélangé les images, comment vous avez trié, parce que je sais que c'est quand même un énorme boulot de pouvoir passer des films jusqu'à la réalisation, pouvoir passer des rushs jusqu'à la réalisation. Tac. Je nous emmène là-bas. Tiens, on est chez toi, on est sur ton écran. Yes. Donc 2019, début des tournages. Vous saviez déjà que vous alliez monter sur Première ou c'était pas encore anticipé, prévu? C'était prévu. Oui, parce qu'en fait, tous les boulots qu'on a fait précédemment étaient montés sur Premiere, donc voilà, c'est un outil que Seb maîtrise depuis très longtemps. Moi, beaucoup moins, mais en tout cas, ouais, c'était prévu qu'on le fasse là-dessus. Ça, c'était sûr. Voilà. Après, pour commencer peut-être de se dire que par rapport aux étapes, alors je sais pas si ça intéresse beaucoup de gens, mais en gros on a filmé le gros du documentaire sans savoir si un jour il serait diffusé, ni même sans savoir si un jour une boîte de production serait intéressée par ce qu'on était en train de faire. Voilà. Et en fait, nous, on était dans l'urgence de filmer parce que les événements se déroulaient. On ne pouvait pas se permettre d'écrire des dossiers pour avoir des subventions, qu'elles soient régionales ou du CNC ou autre. Et du coup, donc, enfin, voilà, on a pris sur notre temps et sur notre énergie. Seb est équipé de matériel, images. Moi, je suis équipé un peu de matériel son.
Donc on a vraiment fait ça en mode guérilla, quoi, voilà. Et on a bien fait parce que voilà, enfin, tout ça pour dire qu'il faut pas être conditionné à quelconque autorisation de le faire ou approbation, en fait, voilà, quand on a une idée, il faut y aller, quoi, voilà. Ouais, c'est un peu le truc aussi qui fait le lien avec ce qu'on vient de voir, c'est qu'on aime bien se mettre dans des risques, quoi. Et vu qu'on a la chance d'être équipé en matériel, s'il y a quelque chose à faire, on y va, on filme. Si on n'a pas le temps d'écrire avant, et puis après on a ce qu'on a, et puis soit on enrichit, et on fait grossir une idée principale, soit on fait d'une autre façon. Mais l'idée, c'est de se mettre dans une posture de risque, et on aime bien aussi tout ça, quoi. Et donc du coup, ça ne veut pas dire qu'on filmait n'importe quoi, n'importe comment, hein. Ça veut dire qu'on savait exactement ce qu'on voulait raconter, etc. Et c'est-à-dire qu'après, une fois qu'on a eu le gros de la matière, qui était finalement des images d'archives, on est rentré dans la phase d'écriture, où là, on a fait une deuxième session de shooting, pardon, où on est allé voir chacun des protagonistes de l'histoire chez eux, où on les a suivis dans leur quotidien. Mais après tout ce qui s'est passé, quoi. Après le gros des événements, c'est-à-dire la rencontre de tous ces gens et jusqu'à la compétition finale. Ouais, pour résumer en quelques mots, le film, c'est l'histoire d'un gars, Guillaume, qui décide d'organiser un combat pour son cousin, mais il se rend compte qu'il faut des combattants. Et donc, il se met à aller rencontrer des combattants un peu partout en France et il se dit, mais attends, mais il y a plein de gens qui en font de manière isolée. On va fédérer tout le monde, on va créer une fédé et on va partir au championnat du monde. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Et l'histoire s'arrête à la fin des championnats du monde. Voilà. Tout ça s'est passé en 8 mois et on a filmé tout ça. Et après, on a fait tout ce qui était dossier. On a écrit le scénario détaillé en rajoutant des choses, récolter d'autres témoignages. Voilà. Donc c'est Parce que comme là, ça que ça s'est fait. Pardon. Maintenant, d'un point de vue technique, non, mais t'inquiète, t'inquiète, on a parce monté que. sur Premiere. Ouais, parce que pour le coup, j'avais Pierre-Étienne qui disait, mais du coup, l'idée est scriptée, mais les combats ne sont pas scriptés. Ah ben Du ça tout. oui. Ben, c'est le principe du documentaire. Hein. Même enfin, rien n'est scripté dans un documentaire. Enfin, on a des rendez-vous, effectivement. On sait qu'on va shooter tel jour à telle heure avec telle personne, mais Bien sûr. il peut se passer tout à fait le contraire de ce qu'on aurait pu imaginer, par exemple. Et pour rebondir sur sa remarque, les combats sont des histoires dans l'histoire, en fait. Voilà. Ouais, la grande histoire, c'est vraiment la naissance du sport, c'est vraiment la construction de la fédé, c'est Et vraiment plus la construction de comprendre. la fédé, parce que le sport existe depuis 20 ans déjà. Donc, c'est pas la naissance du sport. La naissance du sport, elle est résumée en 2 minutes, quoi. Non, c'est plus la naissance d'une communauté, plus que la naissance du sport. En gros, le chessboxing, c'est le prétexte pour raconter une aventure humaine. Maintenant, il se trouve que le sport est complètement hallucinant, il est très visuel, il est très impactant. Donc, ça aide. Mais en gros, on raconte quand même une histoire humaine de gens qui se rencontrent et qui vivent une aventure en commun, quoi. Ouais, carrément. Carrément, Voilà. carrément. Et alors du coup, donc on a tous les plans que vous avez mis en place, on a des mois et ou des semaines en tout cas de tournage sur lesquels vous avez avancé autant que possible. On a ça fait quand même un paquet d'infos. Tu disais au début, Ben, quand on a commencé, que toi t'étais pas t'avais jamais monté sur Premiere avant de démarrer, et que tu avais dû t'y mettre un peu contraint et forcé parce que Sébastien, lui, savait le faire et toi pas encore, c'est ça, hein? Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que j'avais monté un film de vacances où j'étais parti au Maroc avec mon père qui est né là-bas. Et du coup, j'avais monté le film de vacances. D'accord. Donc t'avais une petite expérience de première et il fallait que tu la mettes, fallait que tu la mettes en pratique de manière un peu plus sérieuse. Ouais, bah, c'est un peu le même délire, hein. C'est un peu le même délire, Ben le film de c'est vacances. exactement le même principe. Bah ouais, Ouais. on met des images les unes sur les autres, on les coupe,
On les fait se chevaucher parfois. Mmh. Non, non, mais oui, effectivement, techniquement, j'étais totalement novice, d'où le côté assez intuitif du logiciel. Ouais. Tu nous montrerais un bout de séquence de ce que tu as fait, de ce que tu as fait avec, hein, qu'on comprenne un petit peu de quoi il retourne. Ouais, alors donc pour expliquer aux gens, non, mais ça c'est intéressant. Peut-être Seb, tu peux expliquer qu'est-ce qu'on a mis en place pour pouvoir monter à quatre mains en fait, parce que c'est ça Bien sûr, bien sûr. c'est ça qui est important, je pense, dans. Bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant le montage du film, moi, j'ai déménagé. Alors, pas si loin que ça, mais j'étais à 45 minutes, 1 heure de Ben. Et on savait qu'on partait quand même pour une longue période de montage et on essayait de trouver un moyen de pouvoir monter, on va dire, des parties dans notre coin, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire une session partagée sur Premiere. Donc, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire avoir deux bécanes qui tournaient bien, deux copies du documentaire, tout ça, quoi. Donc, on a un peu mis les doigts là-dedans. Le problème qu'on avait, c'est qu'on bosse un peu comme des punks. Donc, effectivement, la première problématique, ça a été que oui, on a une copie du documentaire, sauf que le documentaire, on a accumulé quelque chose comme 40 téra ou 50 téra. Et les deux copies étaient complètement, elles n'étaient pas en miroir. C'est-à-dire qu'il y avait une copie du documentaire qui tenait sur 6 disques durs et une copie qui était sur des disques durs disparates, qui a dispatché sur 11 disques. Donc la problématique qu'on a eue, c'est est-ce que Premiere est capable de repérer deux architectures complètement différentes? Parce que les fichiers sont les mêmes, mais ils ne sont pas du tout placés aux mêmes endroits. Ça a été une première chose. Donc, on a fait plein de tests. Et puis, au final, on s'est rendu compte que parfois ça marchait, parfois il y avait des problèmes. Mais surtout, enfin, le vrai problème qu'on avait, c'est que ça représentait vraiment énormément de place, quoi, énormément de terrains. Donc, on ne pouvait pas se dire. Et puis, financièrement, on était très limité aussi, parce qu'on n'avait pas encore de financement. Enfin, bon, bref. Où on ne pouvait pas se dire, Démarrer le on va film au racheter fur et des à mesure, disques. quoi. C'est ça. On va racheter des disques et faire une copie parfaite en miroir. On n'a pas fait ça. On s'est lancé dedans où Ben, il avait 6 disques durs et moi, j'avais 11 disques. Et c'était le bordel, un vrai bordel. Mais bon, ça a fonctionné. On a appris à dompter un peu cette façon de travailler. Et au final, on s'en est sorti, quoi. Voilà. Donc, on avait la possibilité de monter chacun chez soi, moi chez moi et Ben au bureau de Oppidum. Et voilà, donc on avait des obligations, c'est-à-dire qu'on ne devait pas monter sur la même séquence en même temps. On faisait très attention à pas mixer des choses parce que c'était hyper sensible avec autant de données. Mais bon, une fois qu'on avait capté deux, trois trucs, on a pu monter le documentaire réellement à deux, chacun en séparé. Sur le même projet première, quoi. Voilà. Ouais, donc pour que les gens comprennent, on n'avait qu'un seul et même projet, donc un projet d'équipe, Mental Combat, blablabla. Et en gros, si vous voulez, donc là c'est les rushs, on va aller sur le dossier séquence, par exemple. Voilà, donc on va aller sur la V1. Hop. On avait découpé le film en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 séquences. Et en gros, moi, quand je montais la séquence qu'on peut voir ici, qui s'appelle Mon B, Seb, lui, en parallèle, pouvait monter la séquence Antalya ou la séquence. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça le délire. C'est-à-dire que moi, je pouvais monter une séquence pendant que Seb. Que Sébastien en faisait une autre. Avec Exactement. l'histoire du verrouillage des séquences quand quelqu'un d'autre est dessus, ou vous n'êtes pas allé jusque-là? Non, en fait, on faisait très attention. Une fois qu'on avait un peu, qu'on voulait montrer quelque chose à l'autre, on actualisait le projet. Et en général, quand on bossait, enfin bon, des fois, il y en avait qui n'étaient pas, un qui n'était pas dispo, donc l'autre travaillait, tout ça. Mais quand on bossait tous les deux, on était vraiment connectés en visio à côté la plupart du temps. On se disait, OK, pendant 4 heures, on bosse sur notre séquence. Après, on partage et on regarde chacun ce qu'on a fait. Et c'est à ce moment-là où ça devient assez intéressant, c'est-à-dire qu'on pouvait. Prendre une séquence chacun et puis après les intervertir. C'est-à-dire que l'autre monte sur la séquence qui a été montée par l'autre en premier, ainsi de suite, quoi. Donc Ça ça permet vraiment de. c'est un workflow
c'est un workflow que vous avez monté, que vous avez inventé vous, ou c'est un truc qui est courant dans le monde du cinéma d'avoir deux monteurs sur le même projet? Alors, je sais pas, vu qu'on fait pas partie de la grande famille du cinéma, on sait pas trop. Non, on fait partie de. Non. Après, moi, je connais aucun monteur de cinéma, donc je peux pas te dire. Mais si le logiciel le permet, je pense que ça peut être assez courant. Mais non, on a fait ça de manière totalement intuitive, c'est-à-dire que bon, bah, c'est première le propose. On a été pas mal conseillé quand même aussi par Ben Geronimi de Motionorama, qu'on remercie d'ailleurs. Tout à fait. Qui a fait l'étalonnage du film et qui nous a vachement aidé sur des questions de workflow, notamment on a vachement utilisé AnyDesk pour pouvoir piloter la machine à distance, on pouvait monter, s'échanger, prendre la main, etc. Donc ça, c'est voilà, il nous a vachement bien aiguillé sur sur des questions très fondamentales, donc il nous a vraiment bien aidé. Et non, on l'a fait de manière totalement intuitive. Et d'ailleurs, bah, Franck, on t'a appelé aussi plusieurs fois pour nous confirmer ou nous infirmer des choses. Donc voilà, non, c'est vraiment là, c'est de, pareil, ça reste de l'expérimental. Mais ce qu'on nous avait conseillé, c'était de ne pas monter à quatre mains parce que ça allait être un gloubi-boulga imbitable. Et en fait, non, ça peut fonctionner. Ouais, et puis quand tu dis gloubi-boulga imbitable, c'est plutôt sur le style du film que sur l'organisation du montage en soi. Oui, en soi, c'est plus sur la dimension artistique. Visuelle, artistique. Et bon, vu que c'est nous qui réalisions, donc il n'y avait pas forcément de gens qui nous donnaient forcément des ordres sur ce qu'il fallait faire, quoi. Voilà, on avait un peu. Après, il faut dire aussi que Steve Bowman de Canal+ est rentré dans la partie à mi-montage, on va dire, après la première version, et qui nous a aussi pas mal donné de tricks en termes de narration, notamment. Ouais, il a pu vous guider là-dessus, surtout parce que donc, le démarrage, c'est vraiment un projet où vous avez envie de créer ce documentaire, vous avez envie de parler de la fédé, du sport, etc. Surtout, ouais, de raconter l'histoire, quoi, de raconter cette histoire. Ça, c'était indispensable pour nous. Et puis, à un moment, vous arrivez à signer avec Canal, et là, qu'est-ce qui se passe? Et on vous dit, tiens, il faut regarder les séquences en particulier, faut quoi? C'était la durée du film? Non, bah, en fait, si tu veux, c'était très compliqué parce qu'on avait énormément de séquences, en fait. Énormément de séquences, énormément de personnages. Ouais. Et dans la première écriture de Ben, tous ces personnages-là, naturellement, ils existaient quoi, dans la narration. Oui, parce qu'à la base, on voulait faire une série documentaire. On ne voulait pas faire une unitaire. Donc d'accord. Là, à l'arrivée, c'est un film unitaire qui fait 72 minutes. Mais à la base, on voulait faire une série en 4 ou 6 épisodes. Pour pouvoir traiter un peu tout le monde, quoi. Voilà. D'accord. Mais vas-y, Seb, pardon, je t'ai coupé. Non, c'est bien. Mais du coup, on se retrouve avec tous nos personnages, nos 50 Tera de Rush, toutes nos histoires et une belle idée de comment on allait raconter ça. Sauf qu'on nous a vite dit que ça allait pas être une série. Donc il allait falloir qu'on resserre tout. On choisisse des personnages, et c'est là où Steve Bowman nous a un peu aiguillé sur. Il nous a pas dit quel personnage il fallait qu'on choisisse, mais il nous a on avait des choix un peu complexes parce qu'on avait beaucoup de gens qu'on aimait bien, enfin on les aime tous, hein, mais je veux dire il y avait des histoires qu'on voulait vraiment raconter, et sauf qu'il y en avait un peu trop, voilà. Donc sachant que Canal+ nous a acheté un 52 minutes à la base. Ouais, tout à fait. Vous avez réussi à gratter 20 minutes quand même. C'est pas juste 20 minutes de générique. Ouais, sachant que la première version qu'on leur a envoyée faisait 1h30. D'accord, le mec il avait pas bien compris 52 minutes. Non, mais on se comprend pas bien dans le sud. Tu sais, la montre elle est pas réglée pareil. Ouais, et alors c'est le sud, c'est pas la sardine du port de Marseille quand même. Non. C'est le Deep South. Non. Mais voilà. Et en gros, les étapes qu'on a dû
remplir pour arriver à une diffusion. Guillaume est parti. Donc, en fait, le premier truc qu'on a fait quand on a eu la matière nécessaire, etc., c'est qu'on a fait un petit trailer de 3 minutes D'accord. qu'on a présenté à des boîtes de production qui ont déjà les pieds dans les médias. Voilà. Et lorsqu'on a fait ça, Guillaume est parti la fleur au fusil rencontrer des boîtes de production de son réseau ou autre. Et donc, c'est là que Ninja et Associés est rentré en jeu. Donc, une boîte de production parisienne qui travaille notamment pour Canal+, et qui est tenue par Vanessa Bria et Monsieur Poulpe. Voilà. Et D'accord. donc, ce sont ces gens-là qui nous ont, en gros, qui ont coproduit le film avec Oppidum, qui est la boîte de production de Guillaume. Et voilà, et donc, on a tapé chez Netflix, qui nous ont gentiment dit que ça ne les intéressait pas, etc. Et donc, après, ça a été des étapes. Et finalement, Canal+ a accepté un unitaire et à partir de là, on a eu des financements en région et le CNC, etc., avec des gros dossiers d'écriture, des scénarios, etc., etc. D'accord. Voilà. Cool. Donc c'était à la base, c'était un trailer, quoi. Voilà, un trailer avec une note d'intention et voilà, et puis on défendait notre projet à l'oral. Voilà, on rencontrait des gens, quoi. Et alors justement, ce trailer, quand on regarde ton arborescence du fameux dossier projet, Oui. c'est énormément, énormément de séquences les unes après les autres, c'est énormément de contenu. Comment ça marche le dérochage d'autant de prises, d'autant de médias? Déjà, le problème, ou pas le problème, mais c'est qu'on travaille quand même d'une façon artisanale, même si on est ultra bien équipé. Donc, en fait, déjà, il n'y a pas de synchro-son automatique. Donc l'idée, c'était, voilà, on rentre de tournage. Moi, je m'occupe de resynchroniser déjà les audios avec toutes les images. Ça, c'est déjà un peu de temps. Et à partir de là, on est passé par des séances de visionnage infinies pendant 2 ans, 2 ans, 3 ans. On regardait des images, on sélectionnait, on notait des choses et on notait des time codes, des tirades, des moments qu'on regroupait sur des fichiers texte en fait. Et puis à partir de là, on a commencé à écrire, quoi. Mais c'est vrai que On a ça. scripté, on a tout scripté, on a Voilà, scripté tout scripté, ouais. toutes les interviews, enfin tous les témoignages pour voilà pour rentrer dans la phase d'écriture. Après, on avait pris 2 semaines. Alors quand on dit 2 ans, c'est pas du temps plein, hein, Oui, évidemment. bien sûr. C'est des sessions, voilà, c'est des sessions. Je sais que voilà, en fin 2020, on est allé 15 jours, on a loué une maison, on a travaillé sur des montages de séquences, mais aussi du scriptage et de l'écriture. Voilà, en gros, on travaillait un petit peu, puis après on faisait autre chose. Voilà, on avait des sessions qui étaient assez rythmées, mais après oui, c'était du dérochage. Et donc, une fois qu'on a écrit le scénario final, etc., qui a été validé, etc., etc., là, on a eu le feu vert et on est parti sur un ours. De Un ours 3 heures. de plus, ouais, de ours test visio. Alors, est-ce que c'est. Voilà, qui date. On a commencé en octobre 2020, il me semble. Ouais, ours test visio, c'est ça, hein? Non? D'où l'idée d'être hyper organisé là-dessus. Non, je pense. Ouais. Est-ce que c'est pas dans Hold? Parce que je pense que les ours test visio, c'était Ah ouais. les montages, ou alors peut-être le premier, je sais Des montages plus avancés. pas. Ouais. Non, peut-être c'est le premier, 2021, 15 décembre 2021. Celui-là. Bien. Tu te rappelles, Ben, hein, je t'avais dit, si jamais tu vas dans la colonne, à droite de la colonne, tu peux glisser
tu peux glisser la durée de ton film et te rappeler de ce que tu es en train de regarder. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Je sais pas, j'ai essayé d'ouvrir ça. Mais rien que l'ouverture d'une séquence pareille, enfin, vous allez voir, quoi, mais ça prend vraiment du temps. Même avec des bonnes. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça, 3h15. 3h15, mais il y a des séquences imbriquées et il y a déjà des éléments dedans qui ont que tu as déjà pris le temps de compiler. C'est ça. C'est-à-dire que on a monté, on a fait un ours sur une composition qui était déjà une séquence, quoi. Quand je non, parle non, de... c'est pas ça l'ours. Hein. Et si, puisqu'il dure 3 heures et quelques. Non, c'est l'ours total, c'est lui là. Hop, putain, on va fermer ça. C'est ours total. Et lui, il fait 7 heures ou un truc comme ça. Ah, d'accord, pardon. Je croyais que tu voulais dire le premier fichier qu'on avait envoyé ah, à non, la non, production. Voilà. Pardon. Ouais. Donc voilà, ça, c'est l'ours total, en gros, qui dure 13 heures. Voilà. Alors, j'ai une question de Pierre-Étienne dans le chat qui me dit, mais du coup, la base de données sur les images qui ont été capturées, c'est des notes papier. Est-ce que c'est via Frame.io? Je sais plus si on s'était parlé de Frame.io l'année dernière. Ah oui, bah tiens, typiquement les petits écrans rouges quand t'as pas remonté tous les disques durs. Ouais, ça c'est pas linké. Ouais. Donc c'est quoi la question? Frame.io ou pas Frame.io? Ah, moi je suis plutôt ketchup. Mais... Ouais, je sais pas. Pas Mayo, c'est. Pas Mayo. Putain, ah. T'es bon, toi. Non. C'est en fait cette ours là a découlé de du coup du projet partagé. Où on se regardait chacun des séquences et on prenait des bouts d'interview et on les mettait dans. En fait, l'ours est divisé en parties avec un titrage. Okay. Je ne sais pas si je vais tomber dessus, mais il y a des titrages. Je ne sais pas où. Et oui, en fait, on déterminait des parties assez larges où on essayait de regrouper des interviews qui pouvaient s'entrecouper, en fait, ou des plans d'illustration. Voilà. Voilà, là c'est la séquence rassemblement à 7 et du coup on a mis toutes les images qu'on a sélectionnées, on va dire, pour le montage de cette séquence, quoi. Voilà. Donc ça c'était que des plans d'illustres, après c'est des témoignages, voilà. En gros, pour chaque séquence, on avait défini une zone, voilà, qu'on pouvait utiliser, voilà, en gros. Et donc à partir de ça, alors je sais pas de qu'est-ce qu'est Frame.io, mais on a fait des murs de post-it où pour chaque séquence on définissait un séquencier, quoi, en gros, voilà. Frame.io c'est le petit plus, c'était une extension pour Premiere qu'ils ont racheté il y a 2 ans maintenant, 2 ans, 3 ans, je sais plus, et qu'ils ont intégré dans le Creative Cloud, où en gros, ça te permet de dire, tiens, j'ai ce montage-là, il te fait un export, et il est partagé avec tes collaborateurs, tes clients, etc., et ils peuvent te mettre des post-it au timecode dessus. Ah, ok. Et c'est un chouette jouet, hein. Tu dois l'avoir, si tu regardes ton menu fenêtre, tu dois avoir un truc genre révision, quelque chose... révision avec Frame.io. Et ce truc-là, en fait, t'as une version de base à l'intérieur de Premiere qui permet en fait de balancer des séquences. Alors là, je vais pas te proposer l'inscription maintenant, mais qui te permet de balancer tes séquences et surtout derrière, en fait, t'as un site web pour que les gens avec qui tu collabores puissent, je dis, mettre des étiquettes, entourer des trucs sur une image parce que, bah, tiens, là, il y a un détail à flouter. Oui, c'est comme Acrobat pour les fichiers print, quoi. C'est exactement comme Acrobat, sauf que ça bouge et effectivement, pour la vidéo, c'est devenu un chouette jouet, en tout cas. D'accord. Ok. Cool. Et c'est donc à tester. Pour le prochain docu. Le prochain travail à distance. Et Gérald qui nous dit, des montages comme ça, il y a intérêt à avoir des sauvegardes un peu partout quand même. Alors ben là, la sauvegarde, ouais. Ben, alors là, la sauvegarde, elle était sur le cloud de Adobe, en fait. Mais effectivement, régulièrement, on faisait un enregistrement sur l'ordi au cas où... au cas où tout explose en vol. Exactement. Sachant qu'à un moment, on a un peu flippé. Parce que Premiere avait fait une mise à jour et qu'en fait, ça a fait totalement bugger notre projet d'équipe.
Je me Et donc, rappelle on de a ce coup de dû téléphone désespéré. désinstaller la mise à jour et repartir sur la version d'avant, où on Ouais. a tout retrouvé, hein, on n'a rien perdu. Mais voilà, il y a On eu. avait un peu flippé, Ouais, voilà. vraiment beaucoup même. Je me rappelle tout à fait de ce moment-là et de ce de cette attente au téléphone, genre, mais tu crois vraiment que ça va marcher? Écoute, on verra. On était même à deux doigts de prendre un billet d'avion pour aller aux States. Directement, mais tu pour pouvoir aller pour mais ils étaient très occupés sur le Everything Everywhere All at Once à ce moment-là, je Ouais, pense. là, ils avaient d'autres choses à débugger. Ah, mais c'était du sport de combat, mais c'était pas le même. C'est ça. Donc voilà, et donc à partir de cette ours, ben, petit à petit, on allait. En fait, c'était une forme de chutier organisé, c'est-à-dire qu'on allait taper. En fait, c'était un chutier, quoi. Cette ours est Ouais. devenue un chutier par défaut, où quand on devait monter donc les séquences que vous voyez là, donc toutes nos séquences, eh ben, on allait taper dans ce chutier-là pour récupérer de l'image, du témoignage, etc., etc. Alors Et si on n'arrivait pas ça à ressemble trouver à notre quoi bonheur, Ouais. on repartait Dans les rushs. dans le ruchier, si Dans on le peut dire rucher, ça ouais. comme ça. Parce que Voilà, où là, pour c'était les gens qui connaissent organisé. pour les gens Pardon? qui connaissent pas du tout, parce que j'ai Gérald qui me dit que je suis pas forcément un spécialiste de première, mais histoire de voir plus clair, est-ce que c'est possible de séparer plusieurs parties d'un montage pour ensuite rassembler des gros éléments? Ça, c'est ce que vous C'est exactement ce qu'on a fait en fait sur le montage, on va dire global, mais Ouais. c'était aussi par la force des choses, c'est-à-dire que la façon dont on montait à distance nous obligeait Ouais. de séquencer le documentaire pour qu'on puisse chacun travailler sur des parties. C'est ça. Donc, du coup, si on regarde les timelines du documentaire, on va dire même pas final, mais avant qu'on monte à Paris pour le finaliser, donc pas cette version-là, mais les versions un peu avant, c'est en fait des gros blocs. Par séquence du film, qui sont regroupés dans une séquence globale en fait, quoi. Là. Première permet ça quoi de toute façon, voilà, Ouais. facilement. Séquence, pardon, montage total. Ça c'est le film final en gros, Cool. mais qu'on avait. Parce qu'il y On a un avait. paquet de versions, hein, Oui, il y a on sait énormément pas. de versions, mais c'est ça aussi, c'est pendant que tu cherches, Ben. Le Ouais. truc, c'est qu'il faut bien se rendre compte de la temporalité de la construction de ce film. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu énormément de sessions de tournage, mais étalé sur tout le temps, on avait le temps de vraiment connaître nos rushs, quoi. Même s'il y avait des interviews qui étaient assez longues et énormément d'interviews, Voilà. énormément de textes et qu'on oubliait des choses, mais on avait une vision quand même assez claire de des fois on dit, bah, attends, il faudrait ce truc-là pour illustrer, on savait quand même assez rapidement où le trouver, quoi. On connaissait vraiment bien nos rushs, quoi. Autant Ben que moi. Et donc là, en gros, ça, c'est un assemblage des différentes séquences qui sont là. Par exemple, tac. Non. Tac. Voilà. Donc là, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On a huit séquences. Et en fait, là, c'est des bouts à, on les met bout à bout et ça forme le film à la fin. D'accord. Voilà. Et du coup, Là, ouais, c'est en mode effectivement. assemblage. Alors, je sais pas, ça a un nom, ça? C'est des séquences imbriquées. C'est-à-dire Voilà, que on fait on imbrique, par exemple. Voilà, si tu ça, c'est le double-cliques sur montage une total, séquence, ouais, si en tu mode double-cliques sur une verte qui détaillé. te l'ouvre. Voilà. Et par exemple, de cette séquence-là, on crée une séquence imbriquée, Ouais. tac, et qui se retrouve là. Voilà, ça, Ouais. c'est ça. D'accord. Ouais, carrément. Et après, une fois qu'on avait quelque chose de regardable ou de global, on a fait péter ces séquences imbriquées. Et c'est là où, après, toute la finalisation du docu, on est allé la faire dans les studios de Canal, où on a pu vraiment ajuster toutes ces séquences et voir réellement le film sur une seule et même timeline, en fait. Voilà. Ouais, parce que quand tu regardes un film de 4, comment on a dit, 72 minutes, Ouais.
ça fait un paquet d'heures à regarder, Ah bah ouais, à c'est énorme. assimiler au fur et à mesure, parce que tu dis, vous avez passé de 3 ans, 3 ans dessus, les mains dans le cambouis, vous Ouais. connaissiez par cœur vos rushs, mais à la fin, comment tu fais justement pour pas être, pour rester frais, pour pas être usé sur les images que tu vois justement? Parce que c'est la narration qui te guide, quoi. Ça, après, la chance qu'on avait, c'est que dès le départ, on a commencé à tourner avec une caméra RED. Donc, en fait, la qualité des images depuis le début du tournage jusqu'à la fin, elles ont la même qualité. Ouais, ta C'était un qualité peu la chance constante, qu'on ouais. avait, donc sur 3 ans. Et puis, on avait développé aussi des techniques, on va dire, d'image pour avoir une cohérence sur tout, c'est-à-dire toujours caméra épaule, toujours en mouvement. Voilà, donc c'était, on voulait un rendu très naturaliste, sans lumière additionnelle, à l'épaule, et on acceptait aussi le mouvement. Voilà. De toute façon, on n'avait pas d'autre solution, parce que 95% des images ont été tournées avec une seule cam, quoi. Il n'y a que durant les tournois ou durant les combats où on en a deux, avec une GoPro qui est perchée sur un truc, mais ça reste Ben, très tu nous trouverais artisanal, hein. une scène de ça? Tu nous trouverais un petit Pardon? bout de Benjamin, tu nous trouverais un petit bout de combat quoi, juste pour qu'on regarde un peu de loin. Oui, Franck. Alors, Je par vais aux contre, il n'y a toilettes pas et de son. reviens. Oh, c'est pas grave, magnéto Serge. Comme Mais ça tu veux un pendant qu'on discute. combat? Qu'est-ce que tu veux? Un rush qui est Oh, dans le film ou un rush qui n'est pas dans le film? Ah, qu'est-ce que tu préfères montrer? Dans le film, ça a été validé, survalidé. Un rush du director's cut peut-être. Non, je sais pas. En termes de montage, ouais, on peut montrer peut-être un combat de Jules. Alors là, c'est pas étalonné, hein, mais Ouais, parce qu'en plus, il y a eu une dernière phase d'étalo derrière qui a été faite à l'extérieur, qui n'a pas été faite par vous directement. c'est ça, c'est Motionorama qui a fait l'étalonnage. Bon, après, avec Seb, on était là, on a briefé, on était derrière le truc, hein, mais non, non, c'est pas nous qui avons fait l'étalon. Alors, Ouais, c'est voilà, on peut marrant. montrer par exemple ça, ouais. Ça, c'est Ah, le bah, c'est. combat de Tim. Donc ça, c'est caméra GoPro dans un coin. Ouais, Ouais. directement sur le ring. C'est ça. Ça, c'est la caméra de Seb. D'accord, une caméra à l'épaule. Le Sol. fameux dogme, comme tu disais, où tu as décidé dès le départ que sur l'ensemble des images, tu aurais du à l'épaule qui tremblote un peu et c'est pas très grave, c'est ça? Voilà. Voilà. Et ça, c'est la caméra de Jérémy Stadler, qui a été le deuxième opérateur sur les combats, en gros, qui est venu avec nous à Antalya et qui a filmé le combat du Cabaret Sauvage en 2019. D'accord. Et du coup, ouais, ça c'est vraiment une organisation en amont du combat, j'allais dire du tournoi, mais de savoir qui va filmer quoi, comment pour s'assurer d'avoir suffisamment d'images pour ça. Bien sûr. Alors, ben, Jérémy, lui, filmait majoritairement en slow-mo. Donc, c'était quoi? C'était 200? Non, 120, je sais plus. 120, 120, 120 images 120 secondes, images ouais. par seconde. Voilà. Seb, lui, il était en 25. Donc, voilà, c'était plutôt, en gros, Jérémy était plus sur les plans serrés et Seb sur les plans un peu moyens, quoi, moyen large. D'accord. Voilà. Ouais. Et à côté de ça, on avait aussi un Fuji, un Ouais. X-T3, du coup qui est pas une caméra grand format, hein. Pour le coup, c'était un petit réflexe, mais qui permettait aussi de filmer tout ce qui était bord ring, des scènes de vie un peu plus où on était un peu plus discret, on va dire. Pour être vraiment dans l'ambiance du truc, mais Ouais, et puis plus facile à dégainer aussi, quoi, parce que la RED, on se dit, ah, il se passe un truc, le temps de l'allumer, se mettre en position, il y en a bien pour 2 minutes, quoi. Sauf qu'en documentaire, c'est pas une caméra qui est réellement adaptée pour faire du documentaire, quoi. Enfin, en Non. tout cas, du documentaire sur le vif, comme ça, où l'histoire se déroule devant nous. Donc le Fuji était intéressant à ce niveau-là aussi, c'est que voilà, ça permet de on, on peut filmer direct, quoi. Voilà. Ouais, tu perds si tu perds 20, 10 secondes, c'est le grand max
Exactement. Et d'ailleurs, dans un événement comme un tournoi, tu parlais des tournois au Cabaret Sauvage, là, il y a eu le troisième au mois de quoi, février, mars, Ouais. début mars. Dans un événement comme ça, du coup, maintenant, vous documentez intégralement le tournoi ou pareil, vous sélectionnez déjà les plans en amont, selon les combats, selon le storyboard de l'histoire ou pour On l'instant, c'est fait en stand-by? les deux en fait. Bah, vu que l'événement est filmé en direct, ça nous permet de récupérer tous les rushs. Et en plus, moi je peux être là ou Ben avec une caméra un peu volante pour faire des plans à la raid. Sécuriser d'autres types de plans, peut-être un peu plus dans l'idée que de notre docu ou des choses qu'on fera plus tard, ça reste encore assez vague. Ouais, parce que là, du coup, on est en train de voir des mecs qui regardent et qui travaillent sur leur plan d'échecs. Pour l'instant, on a vu beaucoup de boxe, on n'a pas vu beaucoup de chess. Est-ce que c'est forcément très différent à filmer et à monter une partie d'échecs par rapport à une Ouais, partie de boxe? dis donc, c'est comme ça d'emblée, c'est moins visuel, ou en tout cas, c'est un peu plus complexe. En tout cas, il faut être plus près, quoi. La chance au chessboxing, c'est que ça se joue en blitz. Donc, le début des parties et la fin des parties est en général très rapide. Donc, ça reste très visuel. Leur gueule aussi, elles sont visuelles. La Ouais, gestuelle, il y a c'est plein de surtout choses, ça. mais voilà. Et c'est vrai que les réactions des joueurs bah, quand ils se font piquer leur dame ou enfin voilà, il y a et puis le regard aussi, enfin en tout cas ce qui est intéressant, alors c'est ce qui se passe sur l'échiquier forcément. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de filmer le regard, les visages des chessboxeurs et de voir leur évolution au fil du combat, quoi. C'est-à-dire que au début du combat, ils sont frais et puis après le premier round de boxe, quand ils se remettent sur l'échiquier, faut relancer la machine. Et en gros, c'est, enfin voilà, enfin moi je trouve que c'est fabuleux parce que il se passe vraiment des choses. Donc et si on comprend rien aux échecs, c'est pas grave. On comprend ce qui se passe, en fait. Humainement, on comprend ce qui se passe. Pas besoin de savoir jouer, ni même déplacer des pions, ou des pièces pour comprendre, ce qui se passe, en termes de dramaturgie, on va dire. Et justement, là-dedans, est-ce que tu as évalué les plans qui sont des plans, enfin, en volume dans les 70 minutes, les plans qui sont des plans d'interview tranquille, les plans qui sont des plans de boxe, les plans qui sont des plans d'échecs? Non, mais on a essayé quand même de. Comment dire? C'est plus facile de monter une séquence de boxe que de monter une séquence d'échecs. Donc, naturellement, enfin, je sais, moi, pour ma part, je sais que c'est. Si je monte quelque chose, quoi, il y aura forcément plus de boxe que d'échecs. Et l'idée, c'était quand même d'équilibrer, quoi, parce que bah, c'est un sport. Enfin, après, tout dépend ce qui se passe dans le combat. C'est-à-dire Oui, que tout à fait. il y a des combats où la boxe n'est pas du tout intéressante et des combats où et vice versa, quoi. Il y a des combats où les échecs, il y a des trucs de malade qui se passent sur l'échiquier et à la boxe c'est tout plat ou aux échecs il se passe rien et la boxe c'est incroyable. Donc après, après, effectivement, c'est un sport combiné, mais parfois il se passe plus de trucs dans l'un que dans l'autre. Donc c'est intéressant de raconter ce qui se passe plus que de faire des quotas. Oui, Non, puis il je y a la pensais. répétition aussi, quoi. Ça a été quelque chose qui a été assez important. C'est que chaque fois, on se disait, il faut qu'on comprenne l'alternance des deux, quoi. Donc, même si bah, sur ce round d'échecs ou sur ce round de boxe, il ne se passe pas grand-chose, il faut toujours que le téléspectateur comprenne l'alternance, quoi. Parce que c'est des phases dans le combat qui font monter aussi la pression, la fatigue mentale et physique. Donc, du coup, même s'il n'y a que deux, trois coups d'échecs ou deux, trois coups de boxe, pour qu'on en arrive à ce qu'on a envie de montrer, en fait, on fait le chemin, quoi. Alternance, toujours. Bah, c'est le chessboxing, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Il y a Jean sur le chat qui nous dit, est-ce que vous aviez des références avant de commencer le projet? Et plus généralement, est-ce que vous partagez les goûts en matière de réal? Des références, bah, par la force des choses, en chessboxing, il n'y avait pas de références.
Par contre, il y avait des références sur des films échecs, sur des films de boxe. Donc, effectivement, on est allé mettre notre nez là-dedans, mais on s'est aussi dit à un moment que le chess boxing, c'était un peu nouveau, donc qu'on avait un peu la possibilité d'essayer de le filmer à notre façon et de créer quelque chose d'un peu nouveau, quoi. Enfin, je l'ai Ouais, vu un peu comme ça, quoi. après en termes de ref, c'est-à-dire qu'au départ, quand on est allé voir, quand on a accompagné Guillaume pour la première, pour nous, notre premier rassemblement à Montbéliard, avec Kamel, qu'on voit là à l'écran, c'est lui qui avait organisé cet événement à Montbéliard dans le quartier de la Petite Hollande. Nous, à la base, on n'y allait pas pour. Forcément faire un documentaire, on y allait pour rencontrer tout le monde, etc., dans l'optique éventuellement d'écrire un film Ouais. qui raconterait cette histoire. Mais une Et fiction, pas un documentaire, quoi. voilà, un film fictionné, mais qui est inspiré, qui s'inspirerait de l'histoire que Guillaume était en train de créer avec tous ses personnages, tous différents, autant différents que les uns que les autres, etc. Et en fait, nous, nos références ont déliré. C'était en gros un mix entre Rocky et Rasta Rocket. Du coup, ça fait Rasta Rocky. Ça aurait pu s'appeler Rasta Rocky. Mais tourné un peu avec l'œil de Ken Loach, quoi, tu vois. En mode social, voilà, il y a des travailleurs, des conditions humaines, des conditions sociales, etc. Ça, c'est un traitement qu'on voulait avoir dans le film. Enfin, dans la série documentaire qu'on n'a pas pu avoir dans le film parce qu'on n'avait pas du tout le temps de le traiter. Mais ce n'est pas grave, hein, c'est pas un gros, gros regret, mais en tout cas, c'est un angle qui nous intéressait fortement. Et donc voilà, ouais, les rêves, c'était Rasta Rocket, Rocky et Ken Loach. Et vous les êtes regardés ensemble ou vous êtes restés sur les souvenirs de 1990? Non, non. Non, Moi, non, j'ai les pas regardé autres. Rasta Rocket, hein, ni Non. Rocky. Si, par contre, j'ai regardé la séquence d'entraînement de Rasta Rocket. Quand il s'entraîne avec la boîte dans les pentes, là, avec le coach. Mais ça, si, ça, je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Mais bon, ça transpire pas trop sur le. Non, ça se ressent pas trop sur le film que c'était une influence ou que ça aurait pu être une influence. Nice. Voilà. Très bien, très Ouais, bien, intéressant. y a des points de vue qu'on connaît tous pour filmer la boxe et pareil pour les échecs. Je pense que, après voilà, notamment sur cette séquence-là qu'on est en train de voir à Montbéliard, on est arrivé là. On avait pris le matériel, mais on ne s'était pas dit qu'on allait tourner un documentaire, quoi. Et encore moins qu'on allait se retrouver devant un ring gonflable avec cette lumière. Enfin, bon, bref, c'était pas à la panique. On l'a fait en mode tranquille. Mais je veux dire, on n'avait absolument rien prévu, quoi. Je sais qu'à ce moment-là, c'était la première fois qu'on filmait de la boxe et des échecs, quoi. Enfin, on a un peu adopté cette façon-là pendant tout le documentaire. On l'a filmé un peu comme on voulait, quoi, sans vraiment penser à des références, quoi. Ouais, non. Parce que du coup, vous vous retrouvez effectivement avec des plans qui sont très 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 divers entre bah, les extérieurs à Montbéliard, entre les interviews qui sont dans des maisons très variées, les tournois qui se passent quoi, plutôt le soir, plutôt la nuit, dans des trucs fermés. Antalya, ouais, c'était dans un hôtel. Un hôtel avec une lumière jaune. Nice. Tout jeune. Vous avez... Tous nos rushs à Antalya, ils sont tout jeunes. Classe. Et ça, vous les avez sauvés en amont, en première, ou vous les avez sauvés en aval, à l'étalot? Un peu des deux. Disons que vu que le documentaire avec la RED, on tournait en RAW. Bon, c'est un peu technique, mais le RAW permet en fait de bouger la température de couleur. Comment dire, c'est pas destructif, quoi. Donc on s'est retrouvé avec nos rushs tout jaunes. Et déjà, on a pu enlever un peu de jaune nous-mêmes. Et puis après, chez Motionorama, pour l'étalonnage, ils ont continué parce qu'il y avait énormément de problèmes quand même à Antalya. Donc ils ont fait Ouais, un parce que... gros taf d'arriver à enlever le jaune
et retrouver notamment la problématique, c'était les teintes de peau, hein, ce qui est un peu le plus important en étalonnage, quoi. Et on a réussi à retrouver des teintes de peau très correctes. Moi, je suis très, très satisfait de l'étalo et aussi très surpris parce que je ne pensais pas qu'on aurait pu aller jusqu'à ce point-là, quoi, de rattrapage de rush, quoi. Ah, c'est cool, quoi. Et du coup, ouais, ça c'est encore Montbéliard ou c'est plus tard? Ça c'est Montbéliard. Ça c'est Montbéliard. Ouais. Ah, il est bien abîmé quand même. Ouais. Jules. Jules, Aloïs, Julien. Danger. Ben voilà, ben on s'est retrouvé face à ça, quoi. La première fois qu'on voit du chess boxing, quoi. Donc on a dit bon ben. Bon, on a quand même débarqué avec la grue. Ouais. Grue de chantier, grue pour accrocher les guirlandes, et vous étiez en haut, quoi. Non, moi j'ai vu la grue pour filmer qui donne cet angle de vue là, par exemple, tu vois. Oui, mais ça c'est quoi? C'est une espèce de truc de mairie, t'as quatre roues. Non, c'est une grue de 5 mètres qu'on a et qu'on prend sur certains projets, quoi. D'accord. Mais là, vu qu'on savait de pas... vidéo. Ouais, matériel. Non, c'est avec ça, par exemple, qu'on c'est avec une cette tu grue. Tu fais ces plans-là, ouais. Il n'y a pas de plan drone ou des trucs comme ça. Ah non. Non. Il n'y a qu'un plan de drone dans le film. Non, il y en a deux. Ah, il y en a deux. Ouais. Ça dépend dans quelle version. Non, dans la finale, dans le cabaret sauvage, c'est un ah, drone. Ah oui, c'est vrai. C'est cool. C'est cool. Voilà, après des références, oui, il y a beaucoup de références musicales surtout. Aussi, qui sont pas forcément des références cinématographiques, mais des références musicales, parce que la musique est très très importante dans ce film. Voilà. Comment ça s'est passé justement la musique là dedans? Est-ce que parce que tous les deux, hein, ce qu'on a vu en tout début de session, vous êtes très branchés musique, vous avez travaillé sur des clips, tout ça. Le fait de faire un docu, ça fait quoi? La musique, c'est juste pour asseoir le truc, ou il y a une manière particulière de l'envisager? À la base, on voulait vraiment que la musique ait une place, pas prédominante, mais qu'on le voyait un peu aussi comme un film musical, quoi. On est tous les deux des gros passionné, musicien aussi à certaines périodes, Ben l'est encore. Et en fait, on essayait de trouver, vu qu'on avait un peu trouvé une façon de filmer, on essayait de trouver aussi une façon de se mettre un peu des barrières et trouver une cohérence globale à la musique qu'on allait utiliser. Vu qu'on racontait l'histoire de l'équipe de France, on s'est dit qu'on allait prendre de la musique uniquement française. Et puis après, on s'est dit aussi que ben, nous, on faisait de la musique, les gens autour de nous faisaient de la musique qu'on aimait beaucoup. Et on a dit que c'était l'occasion de peut-être faire participer un peu ben, les gens autour de nous, quoi. Donc, il y a beaucoup de morceaux dans le film qui sont issus de productions d'amis à nous. Ouais. Et pas parce que c'est des amis, parce qu'on aime, on aime leur musique. Ouais. Ouais. Et puis voilà, au final, c'est un peu un truc de famille, hein, ce film. Hein. Enfin, je ouais, veux après, dire, après de... on a mis plein de groupes qui sont pas des amis. Hein. Moi, Magma, ce n'est pas mes potes. Il y a du Magma. Ben là, par exemple, si on veut parler de musique, Magma, voilà, on pensait que ça a été un espèce de fantasme pour nous de se dire, ouais, putain, jamais, enfin, limite, on n'osait pas le mettre. Parce qu'on se disait, mais non, mais les gars, jamais ils accepteront de nous filer un morceau pour le docu, quoi. Ouais. Or, ce qui s'est passé, ça a été totalement le contraire. C'est-à-dire que on l'a mis, on l'a envoyé, ils ont trouvé ça génial. Et limite, ils se posaient la question, mais pourquoi est-ce que... Pourquoi on ne fait pas toute la musique du film? Non, quand même pas. Mais pourquoi est-ce que personne pense à nous pour de la musique de film alors que... Ça s'y prête tellement, mais bon. Est-ce que c'est pas juste le fait qu'ils sont, ils passent un peu pour des vieux dieux sacrés des années 70 et qu'on n'ose plus
Bah, après, la musique parle d'elle-même. Hein. J'ai pas, enfin, ils n'ont pas besoin d'avoir une aura ou une image. Une image. Enfin, après, il faut que ça corresponde. Là, le morceau qu'on Ambiance. a utilisé, mais ça correspond parfaitement à l'instant à ce qui se passe à l'image, quoi. C'est-à-dire, il faut relancer la machine. On l'a utilisé sur un combat de Thomas. Voilà, ça marche à fond. Et après aussi, nous, notre idée, c'était aussi de mettre, d'utiliser des morceaux qui nous touchent et surtout qui correspondent à ce qui se passe à l'image, quoi, parce que c'est ça vraiment la priorité. Quand on utilise de la musique sur de l'image, il faut que ça apporte l'émotion nécessaire en termes de tension ou en termes de douceur, enfin voilà, que ça soit cohérent avec ce qu'on veut raconter narrativement. Mais bon, enfin voilà. Et puis c'était surtout le parti pris de se dire qu'on allait utiliser de la musique de gens pas connus, finalement. Un peu comme tous ces personnages qui sont dans l'histoire et qui sont totalement inconnus. Et en gros, c'était aussi pour nous l'occasion de faire découvrir de la musique qui arrache les dents, quoi. De pas rester dans un univers justement déjà très branché, très bordé. Ouais, et puis ouais, des ambiances. Et puis après, il faut dire aussi que plus de 60%, à mon avis, de la musique est une musique originale aussi, qui a été composée par le chant des muses. Et que voilà, et qui est une musique qui accompagne, enfin, qui sont des morceaux qui accompagnent parfaitement l'ambiance et les émotions qui sont présentes. Tout à fait. Dans les séquences, quoi. Et qui a été construite et arrangée en fonction des séquences aussi, pour certaines parties. Ouais, ça c'est un truc de toute façon qui est fondamental dans votre taf de toute façon, comme tu le dis, hein, donc Ouais, c'est important, ouais. le son, ben après le son, on peut parler aussi du son, parce que le son aussi a été important, notamment sur les combats. Ouais, vas-y, montre-nous peut-être un bout de séquence de combat. Alors, on va pas l'écouter parce que on a fait des tests, c'est tout dégueu, donc on va pas vous infliger le son. Si vous voulez du son, vous vous abonnez à Canal et vous regardez le film directement là-bas, ou vous allez le voir quand il sortira en salle plus tard. Je sais pas, on est d'accord. Pour l'instant, ça reste une production télé uniquement. Ouais. Non, après le son, qu'est-ce que je pourrais te montrer de son? Alors, tout. En fait, on a bruité, on a tout rebruité. Ouais, en fait, le son, c'était un peu le bordel pendant les combats, parce qu'on n'a pas réussi à se procurer les pistes séparées, en fait, des commentateurs, du public, de ce qui se passait sur le ring, etc. Et puis, c'était très limité, notamment sur place, quoi, notamment en Antalya. Donc, on avait le son d'ambiance. Ben, il prenait le son. On a le son de certains coins parce qu'on leur a mis des micro-cravates, donc on avait ça en séparé. Mais les commentaires et tout ça, c'était sur une piste qui mélangeait les commentaires, la musique d'ambiance, le public. Enfin, c'était un merdier sans nom, en fait. Donc, il y a un énorme taf qui a été fait par Elias de MTech Studio pour retravailler tout ça. T'as impliqué de nettoyer des pistes audio où il y avait un énorme bordel et par exemple qu'on voulait que la voix du commentateur par exemple ou que la voix du mec dans le coin, enfin j'en sais rien. Mais ça a été un boulot monstre et par-dessus recréer des ambiances de salle et éventuellement des bruitages du combat, quoi. Donc ça a été un taf monstrueux en termes de son, quoi. Parce que nous, ce qui nous importait, c'était d'avoir un peu, de créer un peu une immersion, tu vois. On avait des caméras qui filmaient les chessboxeurs de très près sur les combats, comme on a pu le voir tout à l'heure. Et donc, du coup, le son, ça te propose une immersion encore plus puissante, quoi. Voilà. Là, on est là dans des situations comme ça. On est vraiment sur le ring avec eux. Limite, on prend des pêches, quoi, avec eux, quoi. Et donc l'audio est très très important pour créer cette sensation immersive, quoi.
Nice. Sachant que même dans les bruitages de boxe, enfin, on ne voulait pas en faire une super production hollywoodienne en termes de bruitage. Mm-hmm. Donc le jeu, c'était d'arriver à retrouver quelque chose finalement d'assez naturel, quoi. Enfin, ouais. Assez naturel. C'est un peu de la triche sans vraiment l'être, puisque les coups étaient donnés de toute façon. On n'a pas amplifié quoi que ce soit. Mais le fait d'avoir le son d'un coup ben, rend à l'image le coup, la puissance de ce qu'il a pu être, quoi. Voilà. Le son, on a compris avec Ben assez rapidement que le son était à peu près 80% en image, quoi. Ouais. Donc on savait qu'il y avait énormément de taf pour arriver au résultat qu'on espérait. Il y avait beaucoup de taf en termes de son. Et on aurait pu aller bien plus loin si on avait eu plus de temps, plus d'argent, plus d'idées, j'en sais rien, mais on aurait pu aller bien plus loin en termes de son. C'est vraiment un domaine qui nous intéresse, quoi. Ouais, parce que du coup, est-ce que c'est... Alors, quand tu dis aller bien plus loin, pour l'instant, l'aventure là-dessus, c'est la diff principalement. Est-ce qu'il y a une volonté, justement, de se dire, ah bah tiens, on fait... On réfléchit à cette partie 2, on réfléchit à et voilà, qu'est-ce que vous proposez là-dessus? Est-ce que c'est un... Bah c'est un peu frais. Là, déjà, le film vient de sortir. Donc, du coup, c'est pas qu'on est, on est en vacances, mais c'est un sentiment. Après avoir bossé quand même 4 ans sur un film, ouais. C'est vachement agréable de se dire que déjà, d'une part, il est fini, quoi. Mmh. Et voilà, c'est la première fois aussi qu'un film à nous est diffusé à cette échelle, donc c'est assez agréable de se dire que voilà, les gens peuvent voir notre travail, quoi, et en l'occurrence cette histoire qui est chouette, cette histoire humaine, quoi, parce que c'est pas que pour nous aussi, enfin ce film c'est aussi pour les gens sur qui on a fait le film, et c'est chouette de se dire que voilà, on peut raconter l'histoire de ces gens qui est extraordinaire. Et que les gens peuvent le voir. Donc, il y a ce truc qui est assez agréable et qui nous motive aussi pour se dire, ben ouais, on peut commencer à réfléchir, peut-être il y a quelque chose à faire pour un deuxième volet, mais ça, on est vraiment aux prémices du truc, quoi. Mmh. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on continue à filmer, quoi. Et on continue à filmer. Voilà. Donc, on peut rien annoncer de concret, mais ce qui est sûr, c'est qu'on continue à filmer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des combats qui se sont organisés depuis, hein, parce que là, le film se termine fin 2019. Mmh. Donc, entre-temps, il y a eu, on va dire, 2 années blanches avec le Covid. Mais du coup, depuis le mois d'octobre dernier, il y a des combats qui sont à nouveau organisés. Avec des personnages de l'histoire, donc et nous on continue à filmer, ça c'est. Et alors du coup justement le fait que vous ayez déjà le film qui soit en place avec un certain angle, avec un certain nombre de j'allais dire d'acteurs, mais de personnages, de protagonistes qui sont sélectionnés, est-ce que ça fait que maintenant quand vous allez les regarder en tournoi ou même en entraînement ou autre, vous filmez différemment parce que vous vous dites ouais. Machin, on l'a suivi, on va rajouter, on sait qu'on peut retravailler sur tel profil, on sait qu'il passait bien à l'image, j'en sais rien. Je sais pas si c'est... Il y a plusieurs choses, mais l'idée, c'est peut-être de ne pas faire 2 fois la même chose. Enfin, en tout cas, mm-hmm. Moi, c'est quelque chose qui m'importe. Ouais. Donc, je sais par définition que si je vais refilmer une séance d'entraînement ou un combat, je vais essayer d'avoir un regard un peu neuf dessus et une façon de me mettre en risque ou bancal quelque part, quoi. Mmh. Ça permet d'avoir des choses inattendues et c'est un peu ce qu'on recherche aussi des fois, la plupart du temps. Mais oui, on sait, bien évidemment, par rapport à nos personnages, on commence à... Enfin, on les connaît bien, on les a côtoyés quand même pendant 2-3 ans. Mais bon, la chance qu'on a eue quand même depuis le début, c'est que c'est des gens qui se comportaient assez naturellement devant la caméra. Ouais. Même sans avoir l'habitude d'elle au tout début, moi je sais que je suis plutôt mal à l'aise devant une caméra d'emblée. J'étais assez surpris de voir que tous les gens qu'on a filmés depuis le début de cette histoire étaient à l'aise, quoi, et assez naturels, quoi, devant. Donc ça c'est un truc
Vous en avez parlé avec eux justement du fait que ouais les mecs qui ont l'habitude du coup d'être sur le ring, qui ont l'habitude d'être sous les feux des projecteurs sur la partie d'échecs et tout, du coup ils passaient bien à l'image, même en interview à côté, même dans des endroits moins en lien avec. Bien sûr, mais après c'est-à-dire que on s'est un peu révélé avec eux, on va dire. Enfin, je sais pas si c'est la bonne expression, mais c'est-à-dire que quand on est allé les rencontrer la première fois, on les a pas filmés. C'est-à-dire qu'on a sorti la caméra au bout du troisième jour, on les a pas interviewés. Par contre, on a passé du temps avec eux. On a mangé, on a fait un futsal d'ailleurs. L'équipe du Sud s'est bien défendue. On les a fracas. Ouais. Et donc voilà, on a passé beaucoup de temps avec eux parce qu'en plus moi je reconnaissais en eux plein de potes quoi. Ouais. Et du coup voilà et vice versa. Et donc du coup eux avant que nous on vienne filmer n'étaient quasiment jamais montés sur un ring de chess boxing. Je dis pas sur un ring de boxe parce que la plupart venaient de la boxe, d'autres, certains venaient de la boxe, certains venaient des échecs, mais ils étaient quasiment jamais montés sur un ring de chess boxing. Donc en gros, voilà, tout, on s'est construit ensemble, voilà, et c'est grâce à eux qu'on a fait ce film et on les remerciera jamais assez. Et c'est surtout pour eux qu'on a fait ce film parce que moi j'ai un respect fou. Pour eux, pour leur courage, pour leur passion, pour leur engagement, voilà, c'est ça qu'on a voulu aussi traduire à travers le film, quoi. C'est-à-dire, mais c'est clair qu'au bout d'un moment, il la voyait plus la caméra, il nous voyait nous, quoi. C'est-à-dire, ouais. On faisait partie d'équipe. D'ailleurs, Seb a encore la veste. Moi, je me considère comme un chess boxer, même si. Tu prends des coups aussi ou pas? Ben, je prends des coups, mais différemment. On a tous pris des coups pendant cette aventure. Voilà. On en a tous pris de manière différente, mais voilà. Mais en tout cas, on se considère, enfin, moi en tout cas, je me considère un peu comme un chess boxer. Je suis partie de l'équipe. Quoi. Oui, on fait partie de l'équipe. Ouais. Ouais, c'est évident. Et c'est très important pour avoir une certaine sincérité par rapport à ce que tu observes et ce que tu racontes. Et surtout la connaissance des gens qui se livrent à nous, en fait, finalement. Ouais, c'est un peu la version striptease du chess boxing. Non, parce qu'il y a une voix off. Certes, bien vu. Bien joué, la voix off de Guillaume. De Guillaume, ouais. En fait, la voix off qui est là, nous, on n'y tenait pas forcément au départ. Enfin, on n'avait pas songé à mettre une voix off. Mais le temps du film, le format a fait qu'on n'a pas pu faire autrement, c'est-à-dire que en une phrase on peut raconter, en une phrase de 3 secondes on peut raconter la même chose qu'en une séquence de 2 ou 3 minutes. C'est marrant parce que souvent on a cette espèce d'antienne qui dit ah là là une image vaut 1000 mots, mais du coup une phrase vaut 2 minutes de séquence. C'est ça, ouais. C'est ça parce que c'est pas le même concept, c'est-à-dire que une séquence permet de faire avancer l'histoire, quoi. Alors qu'une image figée permet peut-être de comprendre, mais pas forcément de faire avancer. Et effectivement, ça a été une des seules solutions pour nous, pour passer d'un film qui aurait dû durer 2 heures à 72 minutes, quoi. Carrément. Carrément. Il y a Crico qui nous demande, mais quels sont les. Est-ce que vous avez des retours depuis la diffusion? Bien sûr. Nos parents sont très, très contents. Oui, bien sûr. On a eu plein de super retours. Déjà des chess boxeurs et des chess boxeuses. Tout le monde est très très content, très heureux. Enfin voilà, il y a vraiment des beaux retours, un bel engouement autour de ce film, carrément. Carrément. Eh bien, écoute, Seb, ouais, tout à fait.
Tout à fait. Non, on J'ai reçoit vu. tous plein de messages. Ouais. Et Ouais, Guillaume, écoute. surtout, qui est le personnage principal de l'histoire, qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress par rapport à la sortie du film, hein, en se disant, ouais, mais comment les gens vont-ils me percevoir? Tout le monde va se foutre de ma gueule. Enfin voilà, il était très pessimiste, on va dire. Ouais. Et Sur, là, sur et là c'est passé. Là, c'est passé, bah il est là, écoute, content. c'est passé. Ouais, c'est Michael Franchement, Jackson, quoi. Il faut voilà, plus il lui est chaud. parler. Ouais. Il est chaud. Il est plus détendu que le 10 mars, quoi, on va dire. Très bien, ça c'est une bonne chose. Et est-ce qu'il est plus détendu que nécessaire ou pas? On ne sait pas. Non, non, ça va. Alors justement, tu nous parlais du temps, ça me donne une perche gigantesque pour pouvoir rebondir là-dessus. Je sais que les gens qui étaient avec nous sur Beyond se sont retrouvés du côté YouTube, parce qu'on a débordé de l'heure 45 accordée, mais c'est ma faute, j'ai grillé 15 minutes au début. Tiens, dernière petite question de Tikenio. Qu'en pense Bilal? Bah Bilal, Il est ravi, hein? il est très fier. Il est Tu super m'étonnes. fier. Il est à tous les combats. Il est à tous les combats, enfin, de ce qu'on appelle les intellectuels Fight Club, qui ont eu lieu jusqu'à présent au Cabaret Sauvage à Paris et qu'on peut voir dans le film. On peut voir le premier combat qui a été organisé en 2019 à Paris. Donc c'est un concept qui vient de Berlin en Allemagne. Et donc oui, il est je pense qu'il hallucine un peu, je pense. Il Ouais, parce que hallucine, mais en tout cas, il est très fier, il suit tout, il kiffe, je pense qu'il kiffe, quoi. Bon, je vais mettre le lien d'ailleurs pour les uns les autres pour profiter et découvrir la Fédé de l'Instagram de l'IFC officiel. Pour ceux qui décideraient après ça, soit de se mettre à première, soit de se mettre aux échecs, soit à la boxe, soit aux deux. Comme. Nos trois, effectivement. Je sais pas s'il y a des gens qui vont se mettre à première derrière ou si les gens vont juste retourner, placer les blancs, les noirs au bon endroit et enchaîner les coups. On va voir un petit peu ce que ça donne. Votre histoire est très sympa et c'est super sympa d'écouter l'histoire dans l'histoire, nous dit Crico. Et vous participez du coup à votre façon à développer le chessboxing en France. À fond. Classe. Ouais. Ouais, à fond, carrément. Carrément. Donc tiens d'ailleurs sondage pour les gens qui sont encore avec nous dans le chat, qui avant la session connaissait le chessboxing et qui l'a découvert pendant le live, parce que ça peut être un bon truc. Je vais profiter du coup de la descente tranquille de notre session pour vous remettre le petit planning de la semaine. Donc là on était sur une semaine très courte, il y a eu Adrien en début de semaine, j'ai enchaîné sur la partie typo animation le lundi et du Photoshop, du osé Photoshop jeudi, hier. Donc tout ça c'est déjà disponible en replay. Si vous avez l'URL d'ailleurs du live qu'on vient de regarder avec Benjamin et Sébastien, vous pouvez évidemment revenir dessus. Et je vous mets le planning en amont de la semaine prochaine, qui va, pareil, redémarrer avec Adrien Châtelet sur Adobe Express. On aura un Ask Pro. Oula, attendez, j'ai un peu mélangé le programme, mais c'est pas ma faute. Ça, c'est pas très grave. On aura un Adobe Live le lundi et on enchaînera le jeudi avec Osé Photoshop, Kyle Webster qui sera avec nous pour de la peinture et le Ask Pro du vendredi bien tranquillement. Comme ça, vous avez le planning en direct. Alors, on me répond, je connaissais, j'ai découvert. Je connaissais les échecs, mais je connaissais pas le chessboxing. Et il y a Ariel Léon qui nous dit, j'ai connu avant, Ben m'avait expliqué. Aïe. Forcément, il faut faire la promotion de tout ça. Bon, bah Oui. c'est cool. Et pour puisqu'on est en instant promotion agenda, il y a un combat le dimanche 28 mai Ouais. au Théâtre de la Mer à 7. À 7, qui est Voilà. la mère patrie de l'endroit d'où vous venez là tous, parce qu'on est d'accord, hein, ça démarre sur la plage de 7, on croirait une chanson de Brassens au départ. Et De ouais, votre et histoire. bon, il n'y a pas Brassens dans la BO,
Mais par contre, il y a un combat le 28 mai, voilà, D'accord. qui sera gratuit. Cool. Ouais, parce Donc, que pour sur la plage, les gens qui sont effectivement. de 7, c'est juste le billet, c'est juste le ticket de bus Ça et va. ou les pieds. Et pour les gens qui sont de loin, c'est juste le ticket de train. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est rendez-vous à 7. Dimanche Rendez-vous à 28 7. mai. À 7, le dimanche. Voilà, comme ça c'est écrit. Et ce sera dans les commentaires du chat que vous pourrez retrouver, bien entendu, après la session. Ben, je vous remercie beaucoup tous les deux. C'était vraiment cool de pouvoir échanger Merci. là-dessus, de pouvoir Merci Franck. découvrir ce sport. Merci. Et puis, je pense que je vais terminer en nous remettant en arrière-plan la petite bande-annonce du film. Parce que ça fera pas de mal du tout. Tac. C'est sur MyCanal à tout moment. Mais oui, je mets la bande-annonce en arrière-plan de nous, ça c'est toujours chouette. Et pourquoi j'ai cet écran-là alors que je veux l'autre? C'est pas grave, voilà. Mais non, mais tu sais que si on n'est pas bien lancé sur un truc, on n'est pas bien lancé jusqu'au bout. Ah ben écoute, c'est comme ça. Je vous le remettrai en entier et avec un petit peu de son pour la fin. Merci à tous les deux, merci à tous les gens qui nous ont suivis, merci à tous les gens qui ont été avec nous depuis le début de la session. Rendez-vous lundi à midi avec Adrien Châtelet. Et d'ici là, ben, restez concentrés, esquivez les coups, donnez ce que vous pouvez, et puis à très bientôt. Salut Allez, à ciao. tous, merci Franck. Salut. Ciao Merci. Ben. Allez, Ciao. bye bye. Salut. C'est un sport nouveau, un mélange de boxe et d'échecs. Enchaîner ces deux disciplines demande une force mentale hors du commun. Une aventure humaine extraordinaire. Un sport qui représente le summum de l'humain dans l'intelligence, dans la beauté, dans la force, dans l'élégance. Suivez les pionniers du chessboxing en France, des prémices d'une fédération jusqu'au championnat du monde. Aller défendre la France au championnat du monde en Turquie avec cette bande-là qui sont mes frères maintenant, ça me procure une fierté incommensurable. Mental Combat, la naissance d'un sport, une création documentaire Canal, samedi à 23h30 sur Canal+.